La situation à Mayotte est extrêmement difficile. À Mayotte, il y a des chiffres qui sont à la fois édifiants et effrayants. C'est-à-dire qu'il y a une population officielle d'à peu près, en grande masse, 300 000 personnes. 50% de Français, 50% d'étrangers. Dans un département qui subit clairement ce qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement. Osons nommer les choses, appelons les choses par leur nom. La situation migratoire à Mayotte est une situation d'une exceptionnelle gravité, car qu'on rencontre nulle part ailleurs. En effet, la situation de Mayotte est très particulière et au fond assez mal connue de l'immense majorité de nos concitoyens. Je me suis rendu à Mayotte pour la simple et bonne raison que la situation de ce département français est complètement ignorée par une majorité des Français. Et pourtant, cette situation, elle est catastrophique et elle préfigure clairement ce qui peut arriver aujourd'hui à la France d'ici une vingtaine et une trentaine d'années. Alors, en effet, la situation de Mayotte est très particulière et au fond assez mal connue de l'immense majorité de nos concitoyens. Mayotte, c'est une île à côté de la Réunion qui fait partie de l'archipel des Comores. Et au moment où l'archipel des Comores a accédé à l'indépendance, une de ces îles, Mayotte, a fait le choix de rester française. Alors évidemment, ça n'est pas du goût des autorités comoriennes qui considèrent et qui assument publiquement ce discours. Qui considère que la situation actuelle est une anomalie, que Mayotte fait partie des Comores. Et j'ai encore en mémoire les déclarations d'un ministre des Affaires étrangères des Comores, disant qu'à Mayotte, les Comoriens sont chez eux. On a aujourd'hui une certitude, il y a une volonté délibérée qui est organisée, je dirais de part et d'autre des rivages qui séparent Mayotte des Comores, qui est organisé pour imposer, pour détourner le choix politique, le choix de destin qui était décidé par la Mahorais, voici un peu plus d'une quarantaine d'années, en 1974, puisqu'en 1974, nous avons décidé de faire le choix de la France. Nous autres qui sommes épris de la culture et de la littérature de La Fontaine, osons nommer les choses. Appelons les choses par leur nom. La situation migratoire à Mayotte est une situation d'une exceptionnelle gravité, car qu'on rencontre nulle part ailleurs. Nulle part au monde, on avait des populations en situation irrégulière qui soient beaucoup plus importantes que les populations autochtones. À Mayotte, il y a des chiffres qui sont à la fois édifiants et effrayants, c'est-à-dire qu'il y a une population officielle d'à peu près, en grande masse, 300 000 personnes, 50% de Français, 50% d'étrangers, quasiment essentiellement des Comoriens, et en plus un tiers d'étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que si on découpe en tranches de 150 000, on a 150 000 Français, 150 000 étrangers en situation régulière et 150 000 étrangers en situation irrégulière. C'est-à-dire que les Français ne représentent qu'un tiers de la population et les étrangers en situation irrégulière représente aussi un tiers de la population, c'est-à-dire autant que les Français. La pression migratoire est absolument, elle est permanente. Il ne se passe pas de jour sans que des migrants comoriens n'arrivent en bateau sur les côtes de Mayotte. Le transport en kwassa, puisque c'est le nom des petits bateaux qui acheminent l'essentiel des migrants. L'essentiel des tentatives se solde par un succès. La situation à Mayotte est extrêmement difficile. Il y a une immigration très forte venant des Comores. La majorité de la population maintenant est étrangère, comorienne, même si culturellement ce sont des populations qui sont très voisines, bien entendu. Ça entraîne une énorme pauvreté, des problèmes d'insécurité considérables. Alors, lorsqu'on décrit la situation de Mayotte, vient une question. Pourquoi, si l'état de Mayotte est aussi délabré, énormément d'Africains et de Comoriens veulent s'y rendre? Tout simplement parce que, par comparaison avec la situation des différents pays africains, Mayotte aujourd'hui, c'est un Eldorado pour eux. Pour eux, ceux à Madagascar, ceux dans les Comores, ceux d'Afrique, aller à Mayotte, eh bien, c'est se retrouver dans une meilleure situation chez eux. Et ça, il faut absolument l'avoir en tête. Ce qui est assez choquant
lorsqu'on est à Mayotte, c'est de voir à quel point il y a une distorsion entre les paysages, qui sont absolument merveilleux, notamment du côté de la mer, très protégés, d'ailleurs par le fait qu'aucun touriste ne veut aller là-bas en raison de la mauvaise image contre Mayotte. Et de l'autre, une surpopulation sur le territoire, une insécurité qui est galopante et une dégradation de la nature. Parce que c'est un bidonville géant aujourd'hui Mayotte, parce que la surpopulation pose de véritables problèmes. J'ai eu des dossiers, notamment de défense de membres des forces de l'ordre blessés, voire très grièvement blessés, à Mayotte. Mon cabinet a aussi défendu un policier qui était poursuivi pour avoir utilisé de violences prétendument illégitimes dans des situations insurrectionnelles extrêmement complexes. Cette paupérisation, elle génère mécaniquement de la violence. À terme, il y a la question de la façon dont la France va pouvoir continuer à exercer sa souveraineté sur Mayotte. Oui, on va pas mentir. C'est pas parfois, c'est tout le temps. Tous les jours. On m'a caillassé en plein. Quand j'étais en voiture, on m'a caillassé. Deux fois. Un quartier sécurisé ici à Mayotte, que tous les métropolitains, quand ils viennent ici, ils sont dans ce quartier-là. Ça s'appelle les Hauts-Vallons. Quand ils veulent venir au Haut-Vallon, ils pensent que voilà, là-bas, c'est sécurisé, il y a tous les gendarmes et tout ce que tu veux. Mais là-bas même, moi-même, je me suis fait agresser. Ils voulaient me voler mon sac, mais heureusement qu'il y avait quelqu'un qui passait en moto. Mais j'ai eu super peur. Juste pour te dire qu'ici, quand on travaille à côté, on se dit ouais, c'est cool, tu vois, on va marcher, c'est bien pour la santé et tout ça. Mais en vrai, non, c'est pas bien. Partout où on est, on craint. Moi, j'ai vécu. On t'a cassé la voiture trois fois. Je partais de l'école, je suis sorti de l'école, j'ai pris mon bus et je rentrais chez moi. Dès que je suis sorti dans le bus, il y a des jeunes qui me balançaient des cailloux. Et il y avait les médiateurs qui étaient là. Mais après, moi, vu que je me sentais jeune, je me sentais un peu motivé et tout à les affronter et tout. Je ne les ai pas affrontés, mais bon, j'ai essayé de me défendre. Chez moi, c'était pas loin, à côté là où le bus, l'arrêt de bus, un petit air. Donc je me suis enfui, j'ai couru, je suis rentré chez moi. Tous les jours, quand je vais à l'école, j'ai peur sur moi, j'ai pris. Je demande à Dieu que tout le monde qui va à l'école tranquillement, qu'ils soient en sécurité quand même. C'est ça. Je te dis juste un truc, c'est que nous, les Maoris, on n'est pas cons. Il y en a, ils sont juste peureux. Ils veulent pas dire les choses, mais ils se le disent entre eux. On m'a clairement dit que il y a toute une organisation pour faire ce que vous appelez le grand remplacement. J'ai un tonton qui était parti en vacances en métropole et pendant qu'il prenait le train à Gare du Nord pour aller, je sais plus si c'est Gare du Nord, mais en tout cas il allait à Marseille. Il a entendu des grandes personnes comoriens en train de parler de tout ce qui se passe à Mayotte. Genre, c'est une organisation. Il y a toute une organisation derrière pour gangréner Mayotte comme c'est actuellement. Et oui, on peut parler de grand remplacement. Le député Mansour Kamardine, il le dit très clairement. Il utilise d'autres termes. C'est clairement ce qu'il veut dire. Il parle de grand remplacement. Et c'est ça qui dénonce à chaque fois qu'il prend la parole à l'Assemblée. C'est pas normal qu'on puisse regarder ça sans rien faire. C'est pas possible. C'est vrai que lorsque je me suis déplacé sur la partie nord de l'île, on voyait beaucoup de quassa-quassa et de bateaux qui passaient. L'île est assez grande, hein, on a pu le découvrir en faisant un tour d'hélicoptère et en faisant un tour de la partie nord de l'île également aussi en bateau à moteur. Eh bien, les bateaux qui font venir les migrants sont immatriculés de Mayotte, ne sont pas immatriculés des Comores. Donc il n'y a absolument aucune différence. Et quand la préfecture nous explique qu'il y a un radar qui permet de repérer les bateaux qui rentrent, bien gentil, mais le radar ne sait pas repérer si à l'intérieur ce sont des Mahorais ou des Comoriens. Comme nous l'a appris un autre contact de passeurs qu'on a rencontré, qu'il n'y a absolument aucune différence entre un bateau de pêche véritable, Mahorais, et un bateau de pêche qui transporte des migrants. De l'aube le matin,
Il rentre, il cangoule comme des capuchots de pêcheurs. Ouais. Quand il amène deux personnes, il s'habille comme des pêcheurs. Les gens qui sont des Passapassa, ouais. Il y en a aussi des liens. Oui. Ici à Mayotte, des Passapassa, en deux personnes, ils ne vérifient même pas, ils disent non, ce sont des pêcheurs. Et ça se pourrait que c'est. Ils ne vérifient même pas. Ouais. Et ce qu'on a constaté, c'est que lorsque les Passapassa rentrent, ils ne sont pas factuellement contrôlés. Le contact de passeur que j'interrogeais m'expliquait qu'en fait, vous aviez une chance sur quatre seulement de vous faire arrêter. T'as jamais t'es allé au lit de Sambo ? Sambo ? Il y a une île comme ça. Ouais. Ah oui, je vois Sambo, je suis passé en hélico au-dessus. Tu vois ce qu'il y a dans la mer ? Ouais. Sambo ? Il y en a comme ça, mais c'est plus grand. S'il y a trop de flics à la plage et que le Passapassa ne trouve pas le chemin pour descendre, il peut aller se réfugier dans la maison. Il laisse les clandestins dedans. Dans la petite maison. Non, dans une île. Dans une île. De Tsambo. Parce que la maison qui est là, il y a des Maorés qui habitent là. Et ils logent les Maorés, logent les clandestins ? Non, c'est dès que les Maorés, dès qu'ils voient les clandestins, ils appellent les flics. Ah oui, d'accord. Ils laissent à gros bord quelque part. Et eux, là, ils laissent là. Ils appellent ici, en bas, en ville. Il y a une autre qui amène soit des kayaks, soit des Passapassa. Donc les gens ne viennent pas que des Comores, ils viennent de l'Afrique, quoi. Ouais. C'est le boulevard. Il passe aux Comores. C'est une autoroute, en fait. Ouais. C'est-à-dire, il prend un billet de bateau. En Afrique, vers le Comore. Et dès qu'ils entrent au Comore, ils allouent un Passapassa. Et ils montent dedans, et ils arrivent facilement à Mayotte. Et les passeurs, c'est des gens qui font c'est du fric. C'est pour l'argent. Ouais. Et les gendarmes et tout, ils font des enquêtes, ils vont voir. J'imagine que les gens ne parlent pas aux gendarmes, en fait. Parce que les gendarmes, ils font les enquêtes, ils trouvent que toujours c'est comme ça. Les gendarmes comoriens, ils savent tout ça, ils voient des Africains qui débarquent aux Comores et ils savent qu'eux, ils vont partir à Mayotte. Et les gendarmes français, ils le savent aussi. Oui, les gendarmes français, ils savent aussi. Ils savent tout ça, ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas vrai, qu'ils ne savent pas, c'est impossible. Non, parce qu'il y en a qui habitent ici depuis 10 ans ou 15 ans. Et au début, il montre sa carnet de vaccins qu'il a fait tous ses vaccins ici, ses visites à l'hôpital, le carnet qui montre qu'il est ici depuis 20 ans. Ça, il n'y a pas besoin d'être un local pour avoir les vaccins. Depuis 20 ans, mais il dit que ça prouve rien. Tu peux prendre le carnet d'autres personnes, changer ton nom. C'est vrai que ce contact de passeur était une véritable mine d'informations. Il m'explique d'un côté que les passeurs connaissent les horaires de patrouille de la police aux frontières. Il m'explique qu'en fait, la police aux frontières, lorsqu'elle va essayer de contrôler une île où tout le monde sait que les migrants entrent et passent par là avant de rentrer véritablement à Mayotte, eh bien, ils arrivent avec leur gyrophare, donc ils sont repérés de loin. Je suis allé voir des gendarmes qui opéraient un contrôle justement des papiers au niveau de la navette qui amène de la grande île de Mayotte jusqu'à la petite île sur laquelle il y a l'aéroport. Alors, il faut savoir déjà que sur ces contrôles, il y a quelques anomalies. C'est-à-dire qu'on peut voir les policiers depuis le bateau. Et l'intérieur du bateau n'est absolument pas contrôlé par les policiers. Ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas ses papiers, il peut repérer les policiers et rester dans le bateau. Et revenir sur la grande île et tenter sa chance plus tard. Et lorsque je suis allé voir ces policiers, je leur ai dit « Est-ce que vous contrôlez les mototaxis au départ du bateau ?» Ils m'ont dit « Mais comment ça ? Comment ça les mototaxis ?» Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant eh bien, que, effectivement, ce sont beaucoup de migrants, d'illégaux, qui font un travail illégalement, qui sont sur le territoire illégalement, mais qui font mototaxi aujourd'hui ou qui sont garagistes. Un exemple très simple. Moi, de mon côté, j'ai été recommandé par le député LR de Mayotte, hein, Mansour Kamardine, pour pouvoir rencontrer la préfecture de Mayotte. Et donc, j'ai été rappelé très vite par la sous-préfète à l'immigration qui m'a expliqué qu'elle serait très partante de me montrer absolument tout. Ce qui est fait pour lutter contre l'immigration illégale, donc effectivement les intercepteurs. Elle m'a même proposé
une visite en intercepteur pendant toute une nuit avec la police aux frontières. Et elle m'a dit, voilà, je vous rappelle demain, dans les 24 heures, pour vous donner une réponse du préfet, pour savoir si on peut faire ça avec vous, mais je pense que ça va le faire. J'ai attendu deux jours et finalement, je reçois un coup de fil de la sous-préfète à l'immigration qui me dit que finalement, ce n'est pas possible. Je lui demande pourquoi vous étiez si motivé de pouvoir le faire et elle n'a pas souhaité me donner de réponse. Alors évidemment, j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, eh bien, ils n'acceptent à chaque fois de ne parler qu'aux médias qui tiennent le même discours. C'est-à-dire que, eh bien, on est l'État français, la préfecture serait trop sévère vis-à-vis de l'immigration illégale. Je suis allé voir des policiers qui opéraient des contrôles à la sortie du bateau. Je leur ai donné mes informations en leur disant, voilà, j'arrive pas à parler à la préfecture, pourtant j'ai des informations vraiment intéressantes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je les ai délivrées et ils m'ont dit, vous savez, en une semaine, vous êtes mieux informés que nous qui sommes là depuis deux ans. Donc c'était assez surprenant, d'un côté du niveau peut-être de désinformation de certains policiers qui font bien leur métier, et de l'autre le simple fait qu'ils ont un manque d'infos et peut-être de travail de terrain qui est réalisé pour aller collecter ces informations. Le nombre des reconduites à la frontière qui sont prononcées chaque année à Mayotte est pratiquement équivalent à celui qui est prononcé pour l'ensemble de la métropole. Donc on voit bien qu'il y a à Mayotte une situation exceptionnelle, puisque le préfet de Mayotte, à lui tout seul, prend presque autant d'OQTF que tous les préfets des 95 départements de métropole. En France, vous avez deux ordres de juridiction qui interviennent dans le contentieux des étrangers. L'ordre administratif, qui est compétent parce que la quasi-totalité des mesures prises le sont par des autorités administratives et notamment par le préfet, mais aussi l'ordre judiciaire, parce qu'en France, tout ce qui touche à la liberté individuelle relève, vous savez, en application d'un article de la Constitution, qui est l'article 66, relève du juge judiciaire. Et cette dualité de juridiction, elle complique beaucoup les procédures. C'est évident que l'État, pendant très longtemps, a laissé faire. Et ce laisser faire, c'est un laisser faire dommageable. L'État, naturellement, est le responsable de la situation. Le seul endroit sur l'ensemble de la France où il n'y a pas de vérification, notamment d'adresse, c'est Mayotte. L'État ne met pas les moyens nécessaires pour endiguer le phénomène. Ça ne peut pas fonctionner aussi longtemps que l'État ne se tiendra pas debout correctement pour dire bon, Mayotte est française, j'assume mes responsabilités, je ne laisse personne venir. Ces personnes, quand ils arrivent, avant même de toucher le sol la terre ferme, ils disent asile. Il suffit de prononcer le mot asile, vous êtes intouchable. Vous venez des pays sûrs, mais comment, il n'y a pas de guerre au Comores? Ah ben, nous avons des gens qui sont titulaires des droits d'un titre de séjour au titre de l'asile à Mayotte. Je crois que c'est soit une volonté délibérée de laisser les choses se faire, soit une sous-estimation de la réalité de la situation, parce qu'on est parti de là, finalement on se dit bon, c'est rien. Sauf que, malheureusement, du côté de Comores, et de plus en plus aussi du côté de Madagascar, il n'y a pas une personne qui ne veut pas aller à Mayotte. Il n'y en a pas une. Toutes les personnes que vous croisez, quand vous connaissez la région comme moi, vous allez au Comores, vous allez à Madagascar, toutes les personnes que vous croisez vous disent « aidez-moi pour aller à Mayotte ». Et donc, voilà un caillou de 374 km². Il est arrivé d'arrêter des Kwassa, les voiliers, non, je ne crois pas. À ma connaissance, on n'a jamais arrêté des voiliers. Vous savez, des populations dans des villages qui disent « Bon, ben, vous posez problème ici, allez-vous-en. » Ce qui n'est pas en soi très, très reluisant, mais faute de pour l'État d'assumer ses responsabilités, on est obligé de se défendre nous-mêmes. Quand l'État est défaillant, nécessairement, le réflexe naturel de défense se met en place. La question des Africains et l'État, ils le laissent faire. Ah, ils ne contrôlent pas. Alors, qui pourrait contrôler les taximotos, oui, et vérifier, oui, les identités? Vérifier, il tape tout. Un Africain qui a amené un passager, et c'est inégal pour ça. C'est interdit de faire un taximoto. Bien sûr. Et même l'Africain, il dit que moi, je parle boulot, je n'ai rien à faire. Je on a le même problème. Ouais, parce que c'est ça que tout le monde sait comment ils entrent ici. Tout le monde n'ose pas parler parce qu'il ne veut pas que
voilà qui a les disques. Il y a de la violence. Hein, j'ai rencontré une telle personne. Vous vous faites taper, quoi. Oui, voilà. À ce moment-là, le Comorien, il me cherche. Il sait que c'est lui qui dit tout ça. On a le sentiment, quelque part, que les pouvoirs publics ont toujours un match de retard, c'est-à-dire qu'ils courent après l'événement. Mais c'est très difficile parce qu'une frontière maritime, c'est extraordinairement difficile à surveiller. Est-ce que je comprends pas, moi? J'ai entendu que dès qu'il fait les départs en juin, il y a des radars qui le voient depuis. Ce que j'ai entendu. Oui, c'est ça ce qu'ils m'ont dit. Les radars qui le voient depuis les sorties là. Mais dès qu'ils ont commencé à entrer sur le territoire, là, ils sont disparus. Parce qu'ils ne voient pas d'où ils vont. Non. Hein, c'est pas possible. Je me disais peut-être les radars, ils disent non, on prend celui-là, on laisse celui-là et après... Ah, ils peuvent passer tout le monde. Hein. Ouais, ouais. Parce que moi, je me dis peut-être c'est comme ça. Parce que si à chaque fois il attaque, il voit ça qui rentre, les gendarmes qui travaillent dans la mer n'ont pas de boulot à faire parce qu'il n'y a pas de gens qui entrent. Ouais. Ils le poursuivent. Ils disent non, on laisse les autres entrer, on attaque les autres, c'est ça. Et le souci en ce moment-là, j'ai entendu presque, tu vois, les Africains. Ouais. Les Africains, ils viennent au Comores, ils allouent un bac, un croissant. Ils entrent facilement dès que, même s'ils voient les gendarmes là, ils font tout droit vers eux. Là, ils attaquent parce qu'on ne peut pas expulser les Africains, c'est très bien. Ils entrent facilement. Ah, parce qu'après, on ne peut pas les renvoyer chez eux. Oui, parce que c'est très bien. Je crois, moi, on m'a dit. Il y a le tribunal administratif, mais il y a le juge des libertés qui les libère. Qui les libère, voilà. Et du coup, ils ne peuvent plus les retrouver dans la nature. Oui, et ils ont des adresses bidons à Mayotte. Oui. À ce moment-là, les Africains entrent facilement. Et quand ils entrent pas en pleine nuit, mais dans la journée. Livre noir. Oui, ce sera Livre noir. Quel meilleur nom que celui-ci. Si proche de ce qu'étaient nos ambitions. Celle de contribuer à la vie politique et médiatique du pays. Celle de traiter des sujets dont personne ne parle ou dont on ne parle qu'en écumant les mêmes mensonges au service des mêmes soumissions. Aujourd'hui, Livre Noir est là. Nous occupons le terrain, les réseaux sociaux, les kiosques et les plateaux. Et demain, grâce à vous, nous demeurons. Sur Livre Noir, nous vous dirons toujours ce que nous avons vu. À vous de voir ce que vous voyez. Alors, il existe deux motifs principaux pour libérer des migrants par le juge des libertés. L'heure de convocation, à laquelle les clandestins ne se rendent pas à temps. Hein, le CRA n'a pas les moyens de ramener 12 personnes. Et le fait d'avoir une adresse à Mayotte. Et en règle générale, cette adresse d'ailleurs, elle est bidon et il n'y a pas de vérification qui est opérée. Il faut savoir aussi qu'il y a à peu près un tiers de bidonvilles à Mayotte, donc à quel moment on va qualifier tel ou tel endroit de domicile. Alors, il y a un cas assez emblématique qui nous a été raconté par quelqu'un qui justement travaille un peu dans ces administrations. C'est le fait qu'il y a des cas dans lesquels eh bien, les migrants arrivent à Mayotte et ont déjà une adresse. C'est-à-dire qu'ils ont organisé le fait d'avoir une adresse avant même de partir des Comores. Nous avons en France une diplomatie qui veut parler à Poutine, à Biden et à d'autres. Quand elle n'est pas capable de s'imposer à Azali ou aux Comoriens. Et donc, on a la situation que nous connaissons. Effectivement, on donne de l'argent en espérant que le Comorien tiendra ses engagements. Et derrière, le Comorien ne tient pas ses engagements. La France était aux Comores pendant un siècle et autres. Donc, nous avons une responsabilité morale pour aider ce pays à se développer. Mais nous ne pouvons pas hypothéquer notre souveraineté sur une partie du territoire national. Et c'est ça le vrai problème. Le problème n'est pas tant de les aider. Le problème est d'imaginer qu'on les aidera et qu'ils tiendront parole. Ils n'ont pas de parole. Ils sont capables de faire chanter la France. Vous ne pouvez pas imaginer les blessures que je ressens quand je vois que ce chantage à chaque fois prospérer. Moi, j'ai dit au gouvernement, chiche, Mayotte n'a pas été conquise par la France par la force. Ce sont les Maoris qui ont fait le choix. C'est un choix délibéré
un choix de destin, un choix assumé avec fierté. Le véritable enjeu, ce n'est pas uniquement d'arrêter ces bateaux, c'est de lutter contre ces filiales qui partent de base des Comores. Il faut savoir qu'il y a un accord qui a été fait justement entre les Comoriens et Emmanuel Macron, où Emmanuel Macron leur a proposé un deal. Il leur a dit « je vous donne de l'argent et en échange, vous contrôlez votre population ». Et le gouvernement comorien s'en moque complètement parce que c'est justement lui qui organise cette venue des Comoriens à Mayotte avec la complicité des gendarmes et des policiers comoriens parce qu'ils organisent tout simplement un grand remplacement dans le cas où un jour il y aurait un nouveau référendum et qu'il faudrait voter pour rester ou non en France ou revenir aux îles des Comores. Et là-dessus, on voit effectivement qu'Emmanuel Macron et le gouvernement français qui prétend, comme le disait Mansour Kamardine, eh bien mener un bras de fer face à Vladimir Poutine ou face à Bachar al-Assad, n'arrive tout simplement pas à le faire avec un gouvernement comorien que pourtant personne ne connaît. Les conséquences de tout ça, c'est une énorme pauvreté, parce que forcément, quand vous avez un tiers de la population qui est en situation irrégulière, il y a une véritable submersion des services publics, de l'hôpital, de l'école, et puis de tous les centres de vie en général. Il y a effectivement le problème spécifique de la migration des femmes qui viennent accoucher à Mayotte pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a à Mayotte des équipements hospitaliers qui permettent d'accoucher dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aux Comores. Et puis, deuxième raison, pour que les enfants puissent ensuite bénéficier du droit du sol et espérer devenir français. Il faut ajouter les chiffres de la natalité, qui sont de 44% d'enfants nés de deux parents étrangers et de seulement d'ailleurs 18% d'enfants qui sont nés de deux parents français. Donc on a quasiment un enfant sur deux né de parents étrangers. Ces mères de famille peuvent elles-mêmes accéder en tant que mère d'un enfant potentiellement français, elles peuvent accéder à un titre de séjour. Donc il y a l'attraction de Mayotte sur le reste des Comores est considérable. On vit le cauchemar. Quand on vient à l'hôpital, quand on vient au boulot, on n'est pas tranquille, on est angoissé, on est stressé, on est énervé. On ne peut pas faire le sourire avec 50 personnes qui sont devant là. Il y a tout le monde qui vient. Donc c'est la galère. Ceux qui sont malades, ils viennent ici. Mais imaginez un papy de 90 ans, 80 ans, qui part de chez lui pour venir ici. 80 ans, on reste tranquille chez soi. On ne vient pas à l'hôpital de Mayotte pour se faire soigner. Sur 10 personnes, il n'y a que 2 ou pas. Il y a 2 ou pas. Des fois, il n'y a même pas de Mahorais. Même si vous en avez marre, vous êtes obligé de faire le boulot comme il faut. Alors, il y a une conséquence mécanique, parce qu'à partir du moment où vous êtes en France, Mayotte est un territoire français, vous avez des mécanismes d'acquisition de la nationalité française qui sont relativement souples. Et vous avez ensuite une migration, là, je ne parle pas d'immigration puisqu'on est de France en France, mais une migration de Mayotte vers la métropole et en particulier avec un bassin de population qui est bien connu, qui est l'agglomération marseillaise, dans laquelle on estime qu'il y a globalement un habitant sur 10 qui est originaire de Mayotte ou des Comores. Donc mécaniquement, à partir du moment où vous avez ce flux d'entrée qu'on a décrit des Comores vers Mayotte et ensuite ce flux de déplacement de l'île de Mayotte, du territoire de Mayotte, vers la métropole, mécaniquement, il y a un lien entre les deux. Alors, je me suis rendu à Mayotte pour essayer de comprendre. Pour la simple et bonne raison que j'ai découvert, avant d'y aller, mais également sur place, qu'en lisant la série d'articles qui pouvaient être consacrés sur Mayotte, on retrouvait à chaque fois exactement les mêmes sources, c'est-à-dire l'association de la CIMADE. Vous pouvez lire aujourd'hui un article de l'Obs, de Libération ou du Monde. Ils auront toujours comme contact de base quelqu'un de la CIMADE qui ira leur faire rencontrer le pauvre migrant d'à côté, qui va leur expliquer leur situation catastrophique, qui va essayer d'expliquer également que la police frontière est très méchante vis-à-vis d'elle et qu'on serait dans un territoire où il y aurait presque une sorte de répression de la part
de l'État français qui met énormément de moyens contre l'immigration illégale. C'est pour quel journal ? Alors je vous dis tout de suite, hein, nous on est sur une ligne plutôt commande sur Camardine, plutôt à droite. Ok, je vais essayer de joindre mon national là cet après-midi et j'essaye de vous rappeler ce soir. J'étais en train de réfléchir quelle autre personne vous pourriez interviewer au niveau des associations. Vous avez contacté Solidarité Mayotte, qui intervient au centre de rétention et... On les a pas encore contactés, okay. On peut les contacter, mais c'est la CIMAD qui était plus intéressant. Okay. Effectivement, ça regroupait avec les interviews qu'on a fait. Qui ça marche. Monsieur Camardine vous a parlé de nous. La CIMAD allait parler au Moiré, vous diront, s'ils avaient la possibilité de noyer dans le lago le CIMAD, la CIMAD, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait. Vous avez des personnes qui débarquent et qui savent d'ores et déjà... vers quelle porte il faut aller frapper. C'est ce qui montre bien qu'en réalité, il y a des réseaux qui sont organisés. Là où c'est gênant, c'est que quand ces associations dépassent les limites des missions pour lesquelles elles ont été financées, c'est-à-dire que lorsqu'elles encouragent, elles sont faites pour défendre les situations et non pas pour encourager, voire même participer aux activités délictuelles. Les associations sont financées par l'État. C'est beaucoup de moyens pour combattre les politiques de l'État. C'est un peu schizophrénique. Bon, clairement, l'association de la CIMAD, c'était pas surprenant pour nous qu'ils ne veuillent pas nous parler. Oui, bonjour, monsieur Tegner. C'est la CIMAD Mayotte au téléphone. Je me permets de vous rappeler à la suite de votre venue tout à l'heure au local pour vous informer du coup qu'après consultation, on a pris la décision collective de ne pas participer à votre interview vidéo. Et notamment, eu égard de la teneur de votre média et puis surtout de la ligne éditoriale que vous adoptez qui ne correspond pas du tout aux valeurs que porte la CIMAD et puis aux principes qu'elle défend. Voilà. Bonne soirée, au revoir. Pour la simple et bonne raison que c'est une association éminemment idéologique. Et donc, il serait intéressant de voir ce que ces associations type la CIMAD peuvent dire aux migrants. Peuvent dire à des Comoriens qui pourraient les appeler en leur disant voilà, j'essaie de venir, comment je fais, etc. Parce qu'il y a forcément des complices sur le territoire, eh bien, qui les briefent et qui leur donnent le manuel du bon migrant. Aujourd'hui, répondre à des simples questions, ce n'est pas quelque chose de compliqué. La CIMAD aurait pu nous dire écoutez, on vous répond, mais on vous attaque sur ce que vous pouvez dire, etc. Là, ils ne voulaient tout simplement pas parler. Et donc, tous ceux avec qui ils parlent, c'est ceux. Auprès de qui ils ont des gages que, eh bien, ils vont les aider, ils vont les informer, ils vont leur présenter des migrants, etc. Et évidemment, il y a un bon traitement qui est opéré vis-à-vis de la CIMAD, qui pourtant est extrêmement contesté. Il y a ces mots extrêmement durs de Mansour Kamardine, où il dit clairement que si les Mahorais le pouvaient, ils mettraient la CIMAD dans l'eau avec une encre. Et pour autant, on ne lit pas d'articles du Monde, du Parisien, de Libération... sur la révolte, la colère du peuple maorais contre cette association. Moi, j'aime dire les choses clairement. Nous, on a dit stop parce que Mayotte a assez accueilli. Mayotte ne peut plus accueillir. Mayotte ne peut plus continuer comme ça. Et nous, on a dit stop, basta, à ces organisations pseudo-humanitaires. Et nous, on leur dit que si vraiment ils veulent aider ces gens-là, les Comoriens ne demandent qu'à ce qu'on aille les aider chez eux, avoir des hôpitaux là-bas, des écoles là-bas, des hôpitaux pour des soins de qualité, des écoles pour leurs enfants, et que Mayotte puisse respirer. Parce que là, Mayotte suffoque, c'est en pleine implosion. La CIMAD a fait plusieurs entorses à Mayotte. C'est qu'à chaque fois, elle attaque nos élus en justice. Mayotte est tombée vraiment bas qu'une poussière. Il y a en France des associations qui, à partir... De considérations qui étaient sans doute des considérations humanitaires au départ, c'est-à-dire venir en aide dans les centres de rétention à des étrangers interpellés en situation irrégulière, placés en rétention avant leur reconduite à la frontière. Ça, c'est l'origine. À partir de là, il y a des associations qui sont dans une forme de dérive politique. Et qui finissent par poursuivre un but qui n'est plus un but humanitaire, mais qui finissent par s'assigner comme objectif de permettre à des étrangers en situation régulière de se maintenir coûte que coûte sur le territoire national
et au fond de faire échec au dispositif de reconduite à la frontière. Des associations qui ont un rôle qui est objectivement criminel, c'est-à-dire objectivement contraire à la loi, et qui aident sciemment des gens à enfreindre la loi. Moi, je suis absolument favorable à ce que non seulement on arrête de subventionner, la France et l'Union européenne arrêtent de subventionner les associations d'aide aux migrants, mais qu'en plus on criminalise leurs actions. Je pense que ça y ferait réfléchir à deux fois ceux qui font tout pour faire rentrer sur notre territoire, que ce soit à Mayotte ou sur le territoire européen, notamment en Méditerranée, des gens qui n'ont rien à y faire. Dès lors que les actions effectives des associations se montrent en contradiction avec la loi, les préfectures peuvent agir. Si, sous réserve d'une association sportive, vous exercez des activités de proxénétisme, tout le monde va trouver normal qu'il y ait un contrôle et que, le cas échéant, il y ait ensuite une enquête de police et des sanctions. Mais c'est exactement la même chose. Sauf que on parle pas du même délit, mais on parle mais c'est un délit exactement comme si une association sportive se livrait à des faits pénaux d'une autre nature. Mais j'attire votre attention sur le fait que dans la lutte contre l'islamisme, il a été voté dans la loi de d'août 2021 contre les séparatismes, qui est un premier pas dans la bonne direction, très insuffisant, mais un premier pas dans la bonne direction, des prérogatives notamment pour les préfectures, pour vérifier et contrôler à fond, notamment les associations cultuelles. Mais il n'y a pas de raison de ne pas faire, par parallélisme des formes, les mêmes contrôles qui, encore une fois, sont incombent aux préfectures et sont déjà possibles de par la loi sur les associations qui aident les migrants à entrer de façon irrégulière sur le territoire français et en Europe en général. On est dans un département qui subit clairement ce qu'on appelle aujourd'hui le grand remplacement. Ce qu'on en tire, c'est le fait qu'on a un État absolument incapable. J'ai croisé, en terminant mon séjour dans la rue, le fondateur de la Ligue de défense des droits de l'homme à Mayotte. C'était vrai que c'était assez surprenant de te croiser comme ça dans la rue, juste avant de prendre mon bateau. J'essayais de parler aux gens, et en fait, j'ai découvert ça. Et il m'expliquait que lui, de base, n'était pas pour l'immigration, mais simplement qu'à partir du moment où les immigrés étaient à Mayotte, bah, il fallait s'en occuper. Et ils considéraient que c'était effectivement un scandale que l'État laisse rentrer des immigrés illégaux à Mayotte et considéraient qu'il y avait une complicité objective pour les laisser rentrer. Et donc que c'était intenable de pouvoir les laisser rentrer et ensuite d'expliquer qu'il fallait pas, qu'il fallait les renvoyer chez eux. Déjà pour la simple et bonne raison, parce qu'on ne peut pas les renvoyer chez eux et donc ils sont là. C'était intéressant de voir que même lui considérait que c'était facile de bloquer l'immigration illégale et que ça n'était pas fait aujourd'hui. S'il y a bien un territoire dans lequel l'attractivité du territoire français en tant que territoire dispensateur de prestations sociales joue à plein, c'est Mayotte. Une frontière terrestre, vous pouvez la contrôler en installant des grillages, des barbelés, pourquoi pas un mur. La frontière maritime, par définition, c'est beaucoup plus difficile. On est à des milliers de kilomètres de la métropole, donc ça n'interpelle pas. Ça préoccupe bien sûr, enfin en tout cas on l'espère, le ministre de l'Outre-mer, ça préoccupe le ministre de l'Intérieur, mais ça n'interpelle pas de façon puissante, ça préoccupe évidemment les populations de l'île, mais ça n'interpelle pas de façon puissante l'opinion publique française. Désormais, un enfant né à Mayotte de parents étrangers ne pourra acquérir la nationalité française en application du droit du sol que si l'un au moins de ses parents s'est trouvé en situation régulière à Mayotte pendant une période de 3 mois. Je pense que ça serait une mesure intéressante, mais je ne suis pas certain qu'elle serait suffisante. On a affaire à des différences de niveau de vie, à des différences de niveau de prestations sociales et au fond à des différences d'espérance dans le mode de vie, dans l'accès aux soins, enfin, etc., qui sont telles que le papillon ira toujours vers la lumière. À mon sens, effectivement, il y a deux solutions. C'est d'aider Mayotte dans son équipement hospitalier, ce qui est une première réponse. Et puis la deuxième solution, c'est la suppression du droit du sol. Mayotte est
tellement spécifique que sans prendre parti au niveau, pour ce qui est du niveau national, on peut le faire. C'est très spécial, il y a un problème majeur et on ne peut pas laisser les habitants de Mayotte vivre dans les conditions qu'ils connaissent depuis déjà si longtemps. Et ce n'est pas d'ailleurs parce qu'on supprimait le droit du sol qu'on supprimerait l'accès à la nationalité française. Mais disons que l'accès à la nationalité se ferait par choix de l'intéressé et par décision du gouvernement français, alors qu'aujourd'hui, c'est aléatoire. Alors à Mayotte, je n'ai pas beaucoup de messages d'espoir, je vous le dis franchement. Je pense qu'il faut une fermeté politique qui s'exercerait. Alors on l'a déjà vu, on en a déjà vu un embryon en 2018, avec cette première mesure de dérogatoire au droit habituel du sol, avec cette exigence de résidence régulière de plus de 3 mois pour être en situation régulière. Ça paraît dérisoire quand on a les chiffres. Moi, je pense qu'il faut passer à des règles de beaucoup plus dures. Mais attention, parce que ça n'empêcherait pas l'entrée de migrants en situation irrégulière. Là, on parle de ça aiderait par rapport à la régularité de la situation en France, sur le territoire français, mais ça ne réglerait pas le problème de l'irrégularité du séjour d'un habitant sur 3 aujourd'hui. La volonté politique ne peut s'exercer ensuite que s'il y a des moyens pour mettre en place les politiques qui sont décidées. Et les moyens qu'il faudrait mettre en place à Mayotte pour avoir une sorte de filet de protection de maritime de l'île sont des moyens qui, je pense, demanderaient une réorganisation de notamment des moyens maritimes de la police aux frontières dont l'État français aujourd'hui est absolument incapable. Quand moi j'entends les gens dire « Ah, les Maorais sont des racistes, les Maorais ». Non, c'est parce qu'on parle, vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Et j'ai envie de vous dire, mais ensemble, bonsoir, parlez des choses que vous connaissez. Parce que ce que nous vivons, personne ne le vit et personne n'accepterait de le vivre. Le problème pour Mayotte, c'est d'avoir un État, un gouvernement à la bonne. C'est ça le vrai problème. Un État, un gouvernement qui n'ait pas peur des contrats et qui soit à même d'affirmer que Mayotte est française. Pourquoi nous, on céderait des positions stratégiques que nous avons eues jusqu'ici pour les céder aux Chinois, aux Américains ou à d'autres? La grandeur de la France, ce n'est pas seulement le théâtre européen de la France, c'est aussi cette présence sur l'ensemble des continents, sur l'ensemble des mers et des océans. On a ici ce qu'on appelle les grandes oreilles, qui est une unité d'écoute qui est assurée par les Allemands, pour les Allemands, les Anglais, les Français bien évidemment, et les Américains, ou peut-être pas les Américains, mais qui permet d'assurer notre sécurité. Si on ne l'avait pas, on serait allé le louer à quelque part. Donc l'intérêt, ce n'est pas un intérêt économique, c'est un intérêt de partage de valeurs, d'adhésion à une culture, à une idée, à une nation finalement. Ceux qui ont un peu de jugeote et qui réfléchissent un peu, et se disent au moment où, partout dans le monde, on a donné un coup de pied au cul à la France. Et voilà qu'un petit peuple perché dans l'océan Indien au milieu de je ne sais où et qui dit « je suis fier d'être français ». Ça peut être inspiré de réflexion. On a été consulté et à chaque fois, « vous êtes sûr que vous voulez rester français, vous ?»« Oui, oui, je suis fier d'être français, je veux être français. » »« Ah d'accord, ok, j'en prends un autre. »« Vous êtes sûr que vous voulez rester français, vous ?»« Oui, oui, j'en prends un autre. » »« Vous êtes sûr que vous voulez rester français ?» Il n'y en a plus beaucoup comme ça, même en France. Métropole. Oui, mais ma métropole, c'est français.